Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Gameplay. Épisode un peu spécial puisque je vous emmène affronter avec moi des cauchemars. Le jeu que je vous présente aujourd'hui s'appelle Stuffed. C'est un FPS avec une DA très originale. Le but du jeu est simple, protéger la porte de Ellie, une petite fille qui dort paisiblement et qui fait des cauchemars toutes les nuits. Donc nous, notre objectif, c'est d'empêcher ses cauchemars de rentrer dans sa chambre. Nous allons affronter 10 vagues à l'instar d'un mode zombie sur Call of Duty. Chaque vague sera plus difficile que la précédente. Et si par chance nous arrivons à atteindre le 10e palier et à le passer, la nuit sera terminée et la suivante sera encore plus cauchemardesque. Et bien entendu, si nous échouons à protéger la porte de Ellie, les cauchemars viendront réveiller Ellie en entrant dans ses rêves pour l'effrayer. Si tu es prêt à affronter ces cauchemars, alors suis-moi le gameplay de Stuffed, ça commence maintenant. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode consacré au FPS Stuffed, un FPS très original, vous allez le voir. On démarre un tuto pour découvrir comment fonctionne le jeu. Alors donc visiblement c'est Ellie qu'il faut qu'on protège. On va voir si le jeu est fluide, je suis en 1440p, 60 FPS je crois. Ok, donc j'incarne un petit ourson avec une belle arbalète faite maison. Ok. Donc là, quand j'ai l'arme, je ne peux plus me déplacer ou... Ah si, c'est parce que je suis pas en clavier. AZERTY, je suis en QWERTY dans le jeu, le mapping. Ok, c'est plutôt fluide. Hein. Next, in order mode, you will face waves. Ok, donc c'est des vagues de cauchemars. Ok, ok. Donc il y a plusieurs cauchemars qui vont se succéder durant la nuit. Je suis un très bon shoot. Ok, c'est mieux. Bullet drop. Oh oui, énorme. C'est un nerf en fait, les cartouches. Ok, next. Par contre, ils ont mis la touche next, c'est un peu con. On a une souris. Pas la touche entrée, là. C'est quoi là-haut, là? Ah oui, d'accord. Ok, ok, on a le ciel au-dessus de nous. Ok. Les vagues vont être de plus en plus dures et les cauchemars aussi. Si on appuie sur shift, on peut sprinter, ce qui peut nous aider à nous échapper. On peut scroll pour changer d'arme. On a un bâton par exemple. Je vais prendre une voix un peu plus sérieuse là. Oh, j'ai cru que c'était un ennemi. Pas du tout. Ok, sur le côté droit, on voit les armes dont nous disposons. Vous voyez en bas à droite de l'écran. Et tout au long de notre parcours sur la map, on va pouvoir trouver d'autres armes qu'il va falloir prendre avec les touches. Comme la touche E qui ne fonctionne pas. Bizarre. Fallait être dessus, d'accord. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et ça sert à quoi? Ah oui, ça envoie des cartes. J'ai l'impression, hein, des cartes à jouer. Ok. On voit les munitions en bas à droite aussi. Sur le HUD. Ok, et une fois qu'on a l'arme, on appuie sur E à l'endroit où nous avons acheté l'arme. Est-ce qu'il faut rester appuyé? Pas du tout. Faut être vraiment dessus. Non plus. Ok, peut-être qu'il faut qu'il y en ait plus de dans le chargeur. Je comprends pas, là. Le E, il a pas fonctionné bien. On va vider le chargeur. Chargeur vide, E. Faut viser quoi, en fait? J'appuie sur E, je spam E, il ne se passe rien. Ah si, 20... Non, bah non, 96. Donc c'est pas bon. 400... J'ai 1660, je comprends pas. Press I. J'ai essayé d'autres touches, hein. Il y a des billes au sol. E ne fait rien, je suis désolé. Je n'y arrive pas, faut appuyer sur suivant. Peut-être qu'il faut le faire maintenant. Non plus, non plus. Je vais dessus. Je comprends R, mais c'est pas grave, on va voir. Donc ok, à chaque fois qu'on prend une nouvelle arme, ça va remplacer celle qu'on était en train de tenir en main. Ok. Très bien. Bon bah on verra bien, tant pis s'il n'y a plus de mun. Hein. Ok, ça, ça va. Très bien, 385. Q pour une mêlée. Ok, on peut y aller en mêlée. Ah oui d'accord, c'est juste pour mettre des tartes quoi. Suivant. Ok. On va perdre de la vie quand on se fait attraper par un cauchemar. Il faut utiliser des points ensuite pour se déplacer et ouvrir par exemple des portes. 2000 points. Donc là ça marche bien, ok. Ah oui, la porte elle a disparu, c'est vraiment un cauchemar qu'on vit. Hein.
Tout à fait. Ok, il y a plusieurs spawns là, et il y a celui derrière, il est où? Il est là. Qui est toujours ouvert, hein. Ok. Et donc, ouvrir les portes nous laisse explorer la map pour trouver de nouvelles armes. Effectivement. Genre, on peut rentrer là? Allez, on y go. Hop là. Ok, on peut revenir comme ça. Ah, ça c'est pas mal, en fait, ça c'est du un point de TP. Ok, ce sont des portes. Ah, ça c'est pas mal. La chambre d'Eli est là. Ah, mais on était déjà dedans, non? Ok. Ah non, faut la laisser en... Ok, complètement réparée. Faut pas qu'elle s'abîme, faut pas qu'il vienne jusque là, nos cauchemars. Ok, certains cauchemars vont essayer de m'attaquer... faire d'attaquer la porte, très bien. Eh bien, let's go. Wow. Effectivement. Allez sur la tête directe, hein. Laisse Eli tranquille. Ok. Pauvre Eli, t'as failli te réveiller, c'est quoi ça? On peut réparer. La porte. Pour le prendre. Et je comprends rien du tout. Ok, faut appuyer sur E, je sais pas. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je sais pas ce qu'il faut que je vise pour appuyer sur E. Ok, quand j'ai un kit de réparation, il apparaîtra sur le HUD. On le voit à droite. Et donc on peut en trouver un peu partout sur la map. Ok, on l'a déjà fait, on a réparé la porte. Bon, ah, faut l'utiliser. On l'utilise comment? C'est quelle touche? E. Ok, c'est E. On voit, ça utilise de la jauge de santé du kit de réparation. Très bien. Si la porte de Ellie atteint les 0%, c'est la fin du jeu. On est bon sur le tuto, je pense. Et donc, ah non, il y a encore les ultimates et les power-ups. Alors, à chaque fois qu'on perd un cauchemar, il y a une chance qu'on ait un power-up ou une capacité ultime, ok? Waouh, des amours en forme de crayon créola. Très bien. Donc ça doit être des munitions de folie. Je sais pas pour quelle arme, mais pour celle-là, je pense. Et ça, c'est une capacité ultimate. Ok, c'est Valorant, le truc, quoi. Alors. Ok, l'ultimate, on l'utilise avec quoi? V. Vous êtes prêts? Ok, go. Ah oui. Ah oui. Alors maintenant, sur la petite table, il y a quoi? On peut acheter des boosts. C'est compliqué leur jeu. Hein. À chaque fois qu'on perd contre un cauchemar, on faut acheter une porte ou une arme. Ok. On va gagner de l'XP comme ça, qu'on peut dépenser ensuite. Ok. Donc là, si j'appuie sur E... Vous voyez, là, j'appuie sur E, il se passe rien. Hein. Faut appuyer, faut spammer. Max ammo, on va faire ça, des munitions max. Perks, c'est quoi ça, des perks? Ok, à chaque fois que je survis 10 vagues, j'aurai complété une nuit. Et à la fin de chaque nuit, il y a une nouvelle map qui sera générée. Vous êtes prêts? Ok. On a 30 secondes avant d'être téléporté dans une nouvelle map. Moi, je pense pas que ce soit 30 secondes. Et il reste marqué 1-0 téléportation. C'est la porte d'Eli, ça? Ok. Non, elle est à la porte d'Eli. Ok, donc c'est une map générée différemment. On voit que le drop n'est plus au même endroit. Ok. Enfin, le spawn des cauchemars. On a complété le tutoriel. Parfait. Est-ce qu'ils vont nous mettre une petite vague? Non, même pas. Hein. Pas le temps. Pas le temps. Et ben on joue. Partie solo. Let's go. Donc j'ai déjà cette arme. Par contre le bâton là, pas fou. Ok. Première vague. Ok. Moi je veux une arme. Je veux une deuxième arme là. Ok, on voit quand est-ce qu'est la prochaine vague.
Ouah, elle est là. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Eh, j'ai eu presque peur, là. Corn, on peut faire du popcorn. De la santé, pas besoin. Ok, il y a un spawn en bas aussi. Hein. Vague numéro 2. Beaucoup de munitions, là. Ok, je peux sauter? Je prends des dégâts de chute ou pas? Non. Wesh les gars, ça va ou quoi? Ouais, je vise mal. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez à l'œuvre sur un FPS. Soyez pas choqués par mon aim. Des années de FPS. Ok, 300. On a combien? 1600. Ok, j'ai pris des armes là, je sais même pas. Oh, toi, tu m'as énervé là. Tiens, prends ça dans ta tronche. Toi aussi, tu as un coup de bâton, tu rigoles là? Tu rigoles? Ouais, fais le malin, ouais. Wesh, ils arrivent tout de suite. Ah bah, c'est facile ici. Hop, ils sont alignés. Poum! Ah, quoi? Ok. Il y en a encore? Alors, on galère, les gars? Bon, je l'avais pas vu venir, lui. Ah ouais, il fait mal. Ouais. Il est marrant, ce petit jeu, là. Boum! Encore? Mais il y en a, les gars. Allez, la vague, là, c'est terminé. Ok. Vague suivante. Par contre, l'arme, pas fou, hein. Qui vont arriver là. Allez. Ouais. Pour l'instant, il m'attaque moi, pas la chambre d'Eli. Ouais, il y en a plein là. Il me faut un max machin là. Ça va les gars? Ok, pour l'instant ça va. Vise au-dessus là. Ouh, j'ai eu chaud. 300. Ok. Pas mieux là. Vague 5. Tu peux rien acheter là? Ouais, y'a des petits robots. Ok. Oh, c'est la merde là. La porte. Putain. On est mal. Ils veulent que je perde. Hein. Oh là, quel enfer. Non. Bon, là, je peux pas gagner là. C'est fait exprès, vous pensez? Qu'est-ce que je peux faire là? La porte, elle a plus de 13 PV. J'ai plus de mun, je suis mort. Ok. Qu'est-ce que je peux faire là? J'ai pas compris. On peut mettre en pause les vagues ou... Je pense que c'est fait exprès, c'est pour me donner après un super pouvoir, c'est ça? Chaque fois que je meurs... Donc je reviens. Ok, ah oh, on va voir Ellie. Tiens, bah, ça nous permet de voir ça. Oh mon dieu Ellie! Ton cauchemar habituel qui te hante. Non, y'a personne, c'est bon, tu peux te recoucher.
Ok, c'est bon, il y a du son là. Petit problème de plugin, j'ai l'impression. Pas d'autres armes là, il n'y a que ça. Et le bâton, ok. Donc c'est un nouveau spawn. Pas évident là avec l'escalier qu'il y avait tout à l'heure. Hein. Ok. Allez, entre les rambardes. Ok. Je flex de trop. Ok. Eh, je vise. Non, là, c'est pas moi là, regardez. C'est le jeu qui sait pas bien gérer, là, c'est pas possible. Ok. Me mettez pas tout de suite une vague, là, laissez-moi explorer. Qu'est-ce qu'on fait des popcorns, là? Ça sert à quoi, ça? Qu'est-ce que vous voulez que je foute de popcorn? Ils sont tarés. Putain, mais c'est où? Il y a que là, là? Les deux spawns sont en bas, ok. Il me reste 14 mines. Ouais, j'en mets 3, 4 de côté, 5 à côté, 6, 7. Alors la blague, en fait, c'est pas précis, vous avez vu. Parce que là, je visais pile dessus. Hein. Plus de munitions. Où sont les munes? Ok. Je veux rentrer là, non, je peux pas. Ok. Ma life, ça va. Et là, faut faire quoi avec ça? Boom scorn. Wow, wow, wow. Ah oui, d'accord. My goodness. Et avec ce shoot en plus, horrible. Ouais, je suis bien dessus, mais c'est pas précis. Regardez. J'en mets dans la rambarde alors que je suis pile droit là. Vous avez vu? Là, c'est pas de ma faute là. Hein. Précision, on repassera. Hein. C'est tellement random cette arme. Ok, là on peut faire quoi là? Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a même pas le temps de se renseigner sur ce qu'on peut faire, quoi. 500. Ça ne fonctionne pas, je crois. Ah, s'il fallait être dessus? Non, je sais même pas. Non, bah non, ouais, j'ai plus de mun. Super. Et là, bien sûr, la porte. Ah, faut payer pour la porte? Non, no ammo. Bah oui, je sais que j'ai pas de... Ah, peut-être ici. Ok. Ah oui, elle est pas mal celle-là peut-être. Oh, c'est la même, non? Non, c'est la même. C'est la même arme. Ouais, laisse-moi tranquille toi, tiens, prends ton bâton. Ok, je peux pas, je rigolais. Ah. Je suis invincible. Pas mal ça. Alors les gars, alors, on peut pas me mordre? Fais-moi les malins là. Hein. Plus 25% de santé pour la porte. 87, ok. Mm-hmm. C'est quoi ça? Oh non! C'était une arme secrète. Je savais pas que j'allais me faire remarquer avec deux cœurs. En même temps, j'aurais pu le deviner. Ok, on se retente une prochaine mission. On va essayer la barre espace. Voilà, recommencer. Oh, il est vraiment cool le skin en haut à gauche. C'est la même là, on voit pas la diff là. Non, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est les munitions. Okay. Oh, je suis pas fan de ce spawn là. Juste à côté de la porte des lits, vraiment. Tiens toi. Pas gentil. Hop là. Ok. Je l'ai dans mon viseur.
Ah, je suis dessus là, non mais faut que je vise à côté, regardez. Un par un. C'est quoi en fait des boules de chewing-gum, c'est quoi? Ok, on va les visiter. Ça c'est quoi ça aussi? Ouais, je fais un truc là. Ah ok. Je suis dans le parc pour enfants. Il y a la chambre là-bas sécurisée, je suis un peu con. Hein. T'es où? T'es parti toi? Ok. Pendant ce temps-là... Ah non, ils descendent. Bon, ça va. C'est un peu con, vous. Elle est là, la porte, les gars. Regardez. Ellie, c'est écrit dessus. Un peu bébête, toi. Hein. Ok. Toujours pas comment ça marche la touche espace là, la touche E. Nightmare. Regardez, je suis dessus, il se passe rien. Descende. Touchez pas à la chambre. Si tu veux toi. Ah oui, si, je voulais prendre des munes. Alors, on est invincible? Ah, du coup, je peux te mettre des coups de bâton comme je veux, regarde. Bon, le bâton aussi, il est éclaté, là. Voilà, tiens, dans ta tête, 4 bâtons. Ah. Quoi? Tu m'as mis un coup? J'étais invincible. Ah, je le suis plus. Waouh. Ouais, ça vise que la rambarde. J'arrive pas à viser, c'est dommage, ça. Allez, je ne peux pas prendre les munitions. Ammo. C'est bizarre, la touche E, elle déconne dans le jeu, c'est pas possible. Faut que j'aille où du coup déjà? Ici, non. Putain, c'est où? Il est où le... Allez là. Ok. Après, il va y avoir les rêves là, les cauchemars. Hein. Il faut qu'on se dépêche là d'avoir un peu mieux quoi. Il y a des petits robots avant. Ok. Là, il y a toi. Combien t'en veux toi? Allez, là, je suis plus invincible. Ok. Aïe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ammo. C'est tout, je peux rien débloquer d'autre. Ok, là, ça rigole plus. Oh, toi, tu passes au travers de la porte. Je triche un peu, hein. Ouais, t'en faut combien, toi? Je suis mal, là. Hein. Putain, c'est lui, là. Mais comment je peux... Qu'est-ce que je peux faire, là? Regardez, je peux rien faire. Je comprends rien, ce jeu. Oh, je suis mort. Hein. Je vise dans le vide. Il me manque un truc là, il y a un truc que je piche pas. Hein. Ah ouais, je finis ça. Ok, là j'ai un truc. Et je suis mort. Je comprends rien. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Eh ouais, je suis tombé par un gnome. Et oui. Et en effet, c'est un gnome qui m'a mis KO. On va pas se laisser abattre quand même. Un truc que je pige pas, hein. On va y arriver. Ok. Là, la touche E, je comprends pas. C'est parce que je suis déjà full ou quoi? Ok.
Là, il n'y a rien à faire. Ok. Vous les drop, j'en mets un ou pas? Non, impossible. Ok, là, elle est déjà un peu moins... Elle est un peu moins dure, la map, là, déjà. Ah ouais, carrément, ça monte par-dessus. Il y a un truc que je dois pas piger, c'est pas possible. Ok, on peut se réanimer pour 1000, ok. On va faire ça, hein. Boom, corn. Je sais pas ce que ça fait, ça. Peut-être avec la touche... Boom, c'est que ça doit exploser. Aïe. Peut-être avec une certaine touche. Oh, là, je suis dessus, là, non? Abuse pas. Regardez ça, je vise, mais ça vise à côté. Faut viser un peu à gauche. Je sais pas ce que ça veut dire les petites têtes là, au-dessus là. Les petites silhouettes, pardon, pas têtes. Bon, et ça, ça donne quoi ça? D'or. Hein? Ah mais oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Je suis trop con. Eh hey, les gars! Bah alors? Oh là! T'es trop... Toi, tu fais trop le mal, hein. J'ai plus de mine. Oh! Oh! Oh, je suis bloqué! Hello! Ok, 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 ok. J'avais complètement oublié cette subtilité-là du tuto. Bien sûr qu'on va y arriver avec ça. Est-ce que là, je peux acheter quelque chose? Mort. Move speed. Non, ça, on s'en fout. C'est ça que je veux. Oh, le con. J'ai plus de... 17, c'est quoi, ça? Ah, il me reste 17 à tuer. J'ai que le bâton. Bon, je suis mal, hein. Finito, hein, celle-là. Hein. Comment ne pas mourir? C'est combien les munes, c'est combien? 300, c'est bon, c'est bon. Je suis un peu un boulet, hein, je vous l'avoue. Ok. À nous le succès. J'ai hâte d'acheter l'autre arme, là. Je pense que c'était ça, hein. Vous pouvez le mettre en commentaire, hein, que je suis un boulet. J'avais oublié qu'il fallait acheter des portes. On a fait le tuto? Oui, bien sûr. Merci, toi. Oh, toi, tu m'as saoulé. Allez, prends ton bâton. Pourquoi le bâton, tu te le prends pas? Voilà. Je rage un peu, hein. Ok. Befriend. 4 sur 30. Un auto-respawn, là. Auto-régène, c'est pas mal, ça. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. 4 sur 70. Comment on fait reload R? Ouais. Je me souviens pas d'avoir vu ça dans le tuto, mais c'est pas grave. Faut tout découvrir nous-mêmes. Pas foutu de faire un tuto qui soit complet. Bande de gnomes. Alors. Ouh, je vais pouvoir m'acheter mon arme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un freeze. Prends. J'arrive pas. Mais arrêtez de me suivre là. Eh, vous êtes relou, hein, les gars. Ah. Alors on fait le malin. Oh, c'est beau. Hein. Tu fais un drôle de bruit, hein. Ok. Ouhou. J'ai plus de mun. On y va.
Ok. Allez, go chercher l'arme. C'était où? C'était là? C'était où? C'était où? C'était là? Et j'appuie sur E, voilà. Oh, c'est un baby-foot, regardez. Ah bah voilà. Tu triches, toi. Allez. Il y a eux, hein. Ah ouais, c'était ça. Voilà, il n'y a plus de... Ok, ok. Bon, par contre, ça vise pas de ouf, hein. Ok. Qui me met un coup là? Ah, il me tire dessus à distance, c'est pas du jeu ça. Qui me fait ça? Bon, vas-y toi là. Qu'est-ce qui tire là? C'est lui là-bas. C'est lui non? Bon, mais toi, toujours plus. Bon, on va prendre notre arme. Hein. Allez, viens là toi. Ah, il tire lui hein. Ok ok. Mune. Ok. Il reste 3000, je vais aller chercher un auto. Ok. J'ai un cœur de couleur. Bon celle-ci je crois qu'elle est. Elle sert plus à rien. Et les cauchemars, je regarde quand même la porte où elle est là. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est stylé cette arme. Hein. Oh, boum. Boum. Je garde quoi? Quoi? Ça m'a pris? Non. J'ai fait ça, j'ai enlevé l'autre arme. Bah non. Mais non. Comment on fait? Hein? Quoi? Quoi? On prend rien? Non, la porte. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Quand je les vois, c'est quoi ce bordel? Moi je le snipe. Peut-être quand je les regarde. J'ai fait un double kill là, non? Ah oui. C'est pas mal, hein. Dites-moi en commentaire si vous aimez le concept. Je trouve ça plutôt cool, hein. Par contre, il est très long le snipe. Mais... Regardez en bas. Oh le kill. Oh, je vais en faire plein là. C'est ça, let's be friends là. Mm-hmm. Il me reste une balle. Ok. Là, je l'ai déjà. Je ne sais pas comment ça marche, ça marche pas. Oh putain, je suis en stress. Je deviens stressé dans le jeu. C'est ouf, hein. Pas une arme, là? Si. Les gants, je vais les virer, hein. Je vais prendre l'autre. Ok, réparation de la porte. Qu'est-ce que tu fous, là, toi? La porte est totalement réparée. Plus de santé, ouais.
Plus de santé pour la porte, plus de santé pour moi. Ok, putain, je suis en stress. C'est pas mal, hein. Ça me plaît bien. Et le snipe, là, il tire bien de loin. Oui. Oh oui. J'ai plus d'ammo. Est-ce que ça marche pour celle-là? Pas du tout. Putain, j'ai plus le snipe. Ah, oh, je suis un boulet. Plus d'amour. Je sais pas où je les trouve les bonnes amours là. Ah c'est en bas, faut aller en bas. Du coup faut que j'aille là. C'est où? Ah ouais. Ouais ça c'est un peu relou ça. On est derrière là. Ok. Et ensuite. Oh je m'y perds là. Là. Ok. Ok. Eux ils attaquent pas la porte, ça va. Ok. Oh, c'est là qu'il fallait les gants de boxe. Ok. Ah, j'ai perdu point d'interrogation, il était là. C'est pas grave. Pendant la vague, je peux pas, là. Level up. Ah oui, il faut passer au niveau suivant, d'accord. Ok. Ça, c'est bon. Ici. On va réparer la porte, j'ai oublié. On tient. Ok. Ah, mais je suis con, je fais tout le tour à chaque fois. Je peux très bien passer par là, hein. Et ici, donc, c'est à gauche et à gauche. Ok. Donc, droite. Salut les gars. Je vais aller voir la porte. J'ai bien fait. Ok, il est dur, lui. Il me reste plus de munitions. Obligé d'y retourner. Oh la loose. C'est par où? C'est par là. Non mais c'est nul en fait les munitions. Ah si, je peux les prendre là peut-être. Est-ce que j'ai le droit? Non, j'ai pas le droit. Oh, je suis mort. Hein. Je tente le tout pour le tout. C'est où? C'est là. C'est mort. Vous l'entendez là-haut? À droite, là-bas. J'ai plus de santé, là-bas. Okay. J'ai de la chatte, hein. Ok, la porte, elle revient ou pas? Putain, mais c'est un truc de fou là, les munes. Ok. J'ai déjà plus de bouclier, bah super. Clé qui dure 3 secondes. 50% de quoi là? Tout à 50%? Ah ouais, faut le savoir. Ok, j'ai encore un 50% off, faut que je le prenne avant la fin. C'est les soldes. Ok, faut que je pense à passer par là.
T'es perdu, toi? Toi aussi? Très bien. Suivante, vague suivante, y'a quoi à la récupérer? Ça, non, je l'ai déjà. Ça, je le prends ou pas? Je sais pas ce que ça fait, ça. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut, le? Vous allez où, là? Ok, ok, ils vont vite, eux, hein. Oh la loose. Oh mais c'est trop ça. Il faut autre chose, il faut autre chose. Reviving. Je suis mort. Ok, ils vont trop vite, fallait une autre arme ou quelque chose d'autre. Là, c'était pas possible comme ça. Là. Très bien. Et la porte d'Eli a été détruite. Ok, je repars à zéro là. Peut-être. Tiens, on va regarder la cinématique jusqu'au bout. On va voir ce qui se passe pour Eli. Est-ce qu'elle va se faire découper en morceaux ou pas? Moi je pense pas, mais on ne sait jamais. Elle se rendort. Moi je suis à côté d'elle, je la protège. Mais il y a une lumière rouge derrière dans le couloir. Qu'y a-t-il derrière? Quelle est cette lumière rouge? Regardez. Pour l'instant on voit pas. Et là, lumière rouge. Mystère. Eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la suite du jeu Stuffed. Merci d'avoir regardé cet épisode de Power Gameplay. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Et bien sûr, j'adore toujours autant lire vos retours, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu souhaites me faire part de ton avis sur le jeu ou sur cette vidéo. Et enfin, je souhaite une fois encore remercier tous ceux qui laissent des pouces en l'air sur mes vidéos, ça me donne énormément de force, alors merci à toi. À très bientôt pour un prochain épisode de Power Gameplay. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !